Bonjour, ici Mathieu, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir une stratégie un peu d'un vieux loup de mer, donc une stratégie que j'ai appris de Robert Collier qui permet d'effectuer une poignée de ventes supplémentaires et parfois même une poignée de ventes considérable avec un produit ou un service que vous avez déjà. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Mathieu, je suis copywriter et éditeur. J'aide les auteurs, les entrepreneurs et les experts à accéder à leurs idées en or qu'ils ont déjà en eux, puis à les mettre sous forme de textes de vente avec des mots puissants, des mots persuasifs qui leur permettent, ces textes de vente sous forme de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email, d'amener de plus en plus de personnes intéressées par leurs produits et leurs services pour les transformer en clients satisfaits, et tout cela avec la puissance, le pouvoir des mots, le copywriting hypnotique. Alors, quelle est cette stratégie vieux loup de mer, cette astuce facile, vraiment facile à mettre en place, comme vous allez le découvrir dans quelques instants, qui permet d'effectuer une poignée de ventes supplémentaires? C'est toujours bon à prendre de ramasser l'argent qui peut rester sur la table, comme disent nos amis américains. Et parfois même, il y a beaucoup, il y a une grosse poignée en fait de ventes qu'il est possible d'obtenir. Donc cette stratégie, vous pouvez la mettre en place avec un produit qui a un de vos produits qui a déjà rencontré un certain succès, un produit qui a même pu générer de gros volumes de ventes, et vous allez voir, ça permet avec le même produit de relancer un deuxième succès à la suite. Donc c'est ce que vous pouvez effectuer. Pour bien comprendre cette stratégie, elle est exactement calquée sur les modèles du Bon Coin ou de eBay, c'est-à-dire ces sites internet qui permet à des particuliers de proposer des produits d'occasion et de les revendre, ce qui fait que d'un côté les particuliers peuvent se débarrasser d'objets dont ils n'ont plus l'utilité ou qui veulent changer, et de l'autre côté il y a des consommateurs que ça leur permet d'avoir des objets pour certains quasi neufs au prix, à un tarif réduit, au prix de l'occasion, parfois même à moitié prix, un objet quasi neuf, donc ce qui est extrêmement intéressant pour les deux parties, à la fois les vendeurs et les clients, les acheteurs finalement. Et cette stratégie vieux loup de mer donc consiste justement à adapter la réussite du Bon Coin, de eBay, à votre activité, à vos produits et à vos services. Il s'agit tout simplement, peut-être même que vous l'avez deviné à votre avis, c'est-à-dire comment appliquer cette stratégie du Bon Coin et de eBay à votre produit et votre service pour justement générer une nouvelle poignée de vente, une grosse poignée de vente supplémentaire. Je vous laisse quelques secondes pour trouver. Ça se trouve, vous avez déjà trouvé. Il s'agit d'utiliser le prétexte des exemplaires légèrement abîmés. Ce qui veut tout simplement dire, alors bien évidemment pour un produit physique ça peut paraître plus facile d'utiliser ce prétexte des exemplaires légèrement abîmés, et pour un produit numérique c'est tout à fait faisable. Bien évidemment, un produit numérique, le prétexte des exemplaires légèrement abîmés, c'est là où vous allez choisir, que ce soit pour votre produit physique, un objet, ou pour un produit numérique, que ce soit une formation en ligne par exemple, quelle que soit la formation, que ce soit en audio, en vidéo ou même au format papier, hein, ça peut être encore un livre papier, donc ça revient à être un objet, et bien c'est de choisir d'expliquer dans votre texte de vente que vous faites une offre spéciale tout simplement parce que vous avez des exemplaires légèrement abîmés. Donc pour un produit physique, le but c'est de prendre des défauts qui sont minimes, vraiment minimes du point de vue du client potentiel, des défauts minimes qui ne gênent en rien l'obtention des bénéfices liés aux produits ou aux services. C'est-à-dire si c'est un produit qui permet d'effectuer, par exemple, prenons si c'est une tondeuse pour couper l'herbe, eh bien vous pouvez prendre un défaut mineur comme peut-être une tôle de la tondeuse qui est un peu tordue parce qu'elle a reçu un choc pendant le transport. Donc c'est des exemplaires de tondeuses légèrement abîmées avec un petit choc, ce qui n'empêche en rien le bon fonctionnement de la tondeuse, donc du produit.
Et pour un produit numérique, comment faire? Vous pouvez utiliser la même chose, bien évidemment, vous allez adapter. C'est-à-dire, par exemple, vous expliquez que vous avez fait un atelier présentiel avec des clients VIP ou autre chose d'équivalent. L'idée, c'est que vous dites, vous avez tourné un atelier un petit peu sous le pouce, sur le pouce, en prenant une caméra vite fait posée sur un trépied et en ayant un simple micro-cravate. Ce qui fait que les images de cette formation ne sont pas de qualité professionnelle comme d'habitude. Donc, bien évidemment, la formation, les images étant peut-être un peu assombries ou dues à un tournage posé sur le pouce, et vous tenez absolument à partager ces nouvelles stratégies qui permettent d'obtenir tel ou tel bénéfice. Bien évidemment, comme l'image est un peu moins bonne, peut-être assombrie, peut-être un petit manque de lumière, vous ne pouvez pas vendre cette formation au tarif habituel. Et c'est là que vous amenez votre offre promotionnelle. Donc, comprenez bien le prétexte des exemplaires légèrement abîmés, c'est que vous prenez un produit qui a rencontré un grand succès chez vous, un best-seller, et vous trouvez des petits défauts minimes. Donc, comme une formation, ça peut être une image légèrement assombrie ou parfois le son qui craque un peu juste par moment, ce qui n'empêche nullement la compréhension des stratégies avancées, des exercices pratiques partagés dans cette formation, de les mettre en œuvre pour obtenir tous les bénéfices. Donc, bien évidemment, après, vous déroulez votre texte de vente. Comme habituel, c'est limite le même texte de vente qui vous a permis de faire un carton plein avec ce produit ou ce service. Et juste, vous rajoutez ce prétexte-là, et du coup, vous dites, écoutez, le problème, c'est que, bien évidemment, vu qu'il y a quelques légers défauts, ce qui n'empêche nullement rien d'obtenir les bénéfices, la transformation, grâce à ce produit ou à ce service, de mettre en place toutes les méthodes, les stratégies, nous ne pouvons pas vous le proposer au tarif habituel. C'est pour ça que vous bénéficiez d'un tarif à moins 50%. C'est exceptionnel. Nous n'avons réservé qu'une cinquantaine ou une centaine d'accès pour cette formation. Pareil pour votre produit physique. Même principe de notion d'un certain nombre d'exemplaires réduits que vous avez à disposition. Et du coup, pour vous, si vous avez un atelier comme ça, tourné avec des clients VIP, bien évidemment, vous pourriez pas. Enfin, c'est difficile de le vendre à 2 ou 3 000 euros. Enfin, ça dépend de votre gamme de tarifs, en tout cas au tarif habituel public. Et en même temps, c'est dommage de laisser une formation qui pourrait aider vos abonnés, vos fans, vos contacts email à obtenir des résultats, les résultats qu'ils désirent obtenir dans leur vie. Du coup, autant utiliser ce matériel, cette formation que vous avez, pour la mettre en vente, et c'est là où vous la mettez à un tarif réduit, ce qui vous permet d'effectuer des ventes supplémentaires. Et si c'était avec une formation qui a déjà fonctionné, vous trouvez quelques petits défauts, la formation parfaite, même tournée par des professionnels, n'existe pas, il y a toujours des défauts, à un moment des craquements dans le son, ou un problème d'image qui a été flou à un moment donné ou un autre, donc vous trouvez des défauts petits qui dérangent. Et vous, en vous appuyant sur ce prétexte de la formation qui n'est pas de qualité habituelle, professionnelle, ça vous permet d'amener un tarif réduit, de justifier ce tarif réduit. Ça fait un prétexte idéal de faire une offre limitée dans le temps avec un nombre d'accès limité pour un produit numérique. Et voilà, votre succès sur un produit qui a déjà généré des ventes, ça permet de relancer la machine, de régénérer des ventes supplémentaires, bref. Voilà comment vous pouvez effectuer une poignée de ventes considérable avec une astuce toute simple, facile à mettre en place. Il suffit de reprendre votre texte de vente, de rajouter, même vous pouvez prendre texto limite le même texte de vente et effectuer ce prétexte par email pour faire ce lancement, en tout cas en tout simplement en utilisant plusieurs emails avec deux ou trois emails qui utilisent ce prétexte pour amener vers votre vidéo de vente et générer quelques ventes supplémentaires. Donc, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, je ne suis pas à Nantes, je suis en Auvergne, de retour là où j'ai vécu pas mal d'années. Du coup, il fait un peu plus frais dehors, donc on est mieux à l'intérieur, en tout cas dans la véranda. Alors maintenant, mettez bien en place cette stratégie vieux loup de mer qui va vous permettre d'effectuer, de relancer un produit qui pourrait être considéré comme un peu mort. Ça fait souvent un pic les ventes.
et à rebaisse, et bah, du coup ça permet hop, de les relancer une nouvelle fois. Et si vous voulez des modèles de texte de vente pour utiliser cette stratégie, des modèles prêts à l'emploi, vous avez juste à les adapter dans votre activité. Sachez qu'il y a la formation Autoroute du Succès, donc c'est une formation entièrement gratuite que vous recevez par email avec plusieurs épisodes. Donc c'est une formation qui se déroule bien évidemment sur plusieurs semaines pour vous permettre d'accéder à vos idées en or, de les mettre en forme avec le pouvoir des mots sous forme de texte de vente, de vidéos de vente, de séquences email, même de conférences en ligne. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à proposer à vos abonnés, à vos fans YouTube, à vos contacts email, d'arriver sur ces textes de vente, que ce soit en vidéo, même en post Facebook ou en podcast tout simplement, ou au format de séquence email pour transformer ces personnes intéressées en clients satisfaits. Donc, j'ai mis un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur ce lien. Donc, cliquez maintenant sur ce lien, renseignez votre prénom, votre adresse mail, pour bah, d'ici les 10 prochaines minutes recevoir le premier épisode de la formation Autoroute du Succès, ce qui va vous permettre, en utilisant simplement le pouvoir des mots, rien qu'à une seule grande idée, ça peut vous permettre de déclencher votre chiffre d'affaires, d'obtenir votre chiffre d'affaires annuel, de même le dépasser avec une seule grande idée. Pour cela, bah, vous allez recevoir les clés du pouvoir des mots pour accéder à vos idées en or que vous avez déjà en vous, les mettre en forme sous forme de texte de vente, pour ensuite amener de plus en plus de personnes intéressées sur vos textes de vente pour qu'ils se transforment en clients satisfaits. Tout cela, c'est cela qui permet une croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre entreprise. Bref, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Profitez-en pour réclamer votre accès gratuit dès aujourd'hui, parce que justement aujourd'hui, elle est entièrement gratuite, cette formation Autoroute du Succès. Elle ne va pas le durer éternellement. Et du coup, en appliquant simplement bah, toutes ces stratégies, le pouvoir des mots dans votre activité, en assemblant toutes les pièces de votre tour du succès, c'est-à-dire jour après jour, semaine après semaine, vous êtes quasi assuré d'augmenter votre chiffre d'affaires et de déclencher cette amélioration instantanée avec un seul texte de vente persuasif, fascinant, avec une grande idée. Ça peut vous ramener toutes les ventes que vous méritez, même au-delà. Bref, le lien est sous cette vidéo, cliquez dessus, ou au-dessus de cette vidéo, cliquez dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes dans votre premier épisode Autoroute du Succès. Vous recevrez les autres étalés sur plusieurs semaines. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur le podcast Le Pouvoir des Mots. Salut !